Allons-y, Brigitte, on fait le point sur ces, comment dire, picotements. Oui, picotements, ça va. Engourdissements. Ouais. Ouais. Et vous allez nous donner des conseils, j'espère, pour les soulager. Mais d'abord, on commence par quelques petites définitions. Qu'est-ce qu'on appelle un engourdissement ? Un engourdissement, c'est une sensation pratiquement de paralysie hein, d'une partie d'un membre, voire même d'un membre entier. Vous savez, ça peut vous arriver quand vous dormez, vous coincez la tête ou la tête de quelqu'un d'autre d'ailleurs, qui comprime le bras ou un oreiller ou n'importe quoi. Oreiller, effectivement, et tout à coup, vous avez l'impression, quand vous vous réveillez, que votre membre est mort. Comme si le bras était mort, il était lourd, il pèse une tonne. Il faut le porter pour se tourner. Oui, c'est ça, exactement, il faut le porter. C'est l'autre qui te le porte. Ouais. mais vous bougez aussi. Tu sais, tu secoues. Mais il faut attendre un moment avant que ça revienne. Ouais. Voilà. C'est en fait un problème, évidemment, de circulation, de petits nerfs coincés, etc. Et après, paf, ça revient. Donc ça, c'est effectivement pas grave du tout. Ouais. Mais là, je parle de dormir sur un membre. Mais après, ça peut arriver aussi quand vous croisez les jambes trop longtemps. Ouais. Ça peut faire pareil. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un problème de compression à la fois des petits filets nerveux et aussi de la circulation qui est un petit peu coupée. Donc c'est ça, la raison, c'est ça. Neurovasculaire. Et à la fois nerveux et vasculaire. Ça peut arriver, je vous le disais, quand vous croisez trop longtemps les jambes. Voilà. Tout ça, c'est bénin. C'est-à-dire que c'est absolument pas grave. Mais après, ça peut arriver aussi... par exemple, au travail, et là, c'est un petit peu plus embêtant, quand on tient, par exemple, une souris en permanence, et là, ça peut devenir un peu plus chronique. C'est pas juste une fois de temps en temps, quand vous dormez avec quelqu'un, ou quand vous croisez les jambes, ou quand vous dormez tout seul sur votre bras. Ça peut, là, devenir un peu chronique. Et vous avez des fourmis, des picotements dans la main qui sont un peu plus fréquents. Où les médecins du travail connaissent bien ce genre de troubles. Pareil, ceux qui font des métiers, vous savez, par exemple, avec un marteau-piqueur. Ouf. En fait, la vibration en permanence, oui, mais ça peut entraîner après des fourmis, justement. Oui, mais ces hommes-là partent, heureusement, en retraite plus tôt. Oui. Au moment de la loi sur la retraite, il était question des ouvriers. Des pénibilités, comme... c'est ouais. vraiment... Donc, il y a comme ça des professions comme ça qui sont à risque de faire... Mais les causes les plus fréquentes, c'est celles que vous avez indiquées. Alors, les causes les plus fréquentes, c'est évidemment celles dont on vient de parler, mais qui sont totalement bénignes, hein, quand c'est une fois de temps en temps, etc. Donc, il n'y a aucun problème, ça, c'est absolument bénin. Après, il y a un autre symptôme qui est fréquent, c'est ce qu'on appelle, vous savez, le symptôme du canal carpien. Le canal carpien, on en avait déjà parlé, c'est quand vous avez tout à coup... je vais d'abord vous montrer ce qui se passe. Regardez une main. Vous voyez le petit ligament qui est en bas au niveau du poignet. C'est un ligament qui est là. Vous en avez un, s'il n'a pas été opéré. C'est un ligament qui est là, qui protège tout ce qui passe en dessous, notamment les nerfs et les vaisseaux. Et il y a un nerf que l'on appelle le nerf médian qui passe dessous. Et ce nerf, il va aller innerver le pouce, l'index et le majeur, ces trois doigts. Donc si vous présentez des symptômes, des fourmillements, des picotements au niveau de ces trois doigts, il faut tout de suite penser que ça peut être syndrome du canal carpien. Parce qu'en fait, c'est le ligament qui va comprimer ce nerf et qui va entraîner des troubles. Mais là, je le dis, je le raconte comme si c'était rien, comme si c'était que des picotements. Mais ça peut d'abord toucher les deux mains, donc vous imaginez, et ça peut vous réveiller la nuit, vous empêcher de dormir, parce que les picotements, ça fait après comme si on vous piquait les doigts, comme des brûlures, etc. C'est horrible. Et ça vous empêche, par exemple, ça empêche la préhension. Voilà, vous pouvez lâcher des objets. C'est-à-dire, vous tenez ça, hop, vous ne pouvez pas le tenir, vous le lâchez. Ouais. Donc c'est vraiment un enfer, mais voilà. Et comme c'est dû à quoi ? C'est quand on a un travail manuel, par exemple, c'est souvent lié au travail, par exemple, les coiffeurs qui tiennent en permanence. Je demande ça parce que lui, il est bricoleur avec sa chemise. Oui, très, très bricoleur. Très bricoleur, oui, ben, ça peut arriver, alors. Okay. Mais au moins, tu y penseras, s'il y a les trois, ces trois, c'est important le schéma, de savoir que ce sont ces trois doigts-là qui sont touchés. Et là... Les profs, je me souviens de ça. Oui, oui. Les profs qui écrivaient toute la journée. Oui, oui. Ah oui. Oui. Mais ça s'opère par contre, ça, tu peux opérer. Ça s'opère, il n'y a aucun problème, c'est une intervention. C'est 600 000 interventions par an. Ah oui, d'accord. C'est quelque chose de très fréquent. Et maintenant, on récupère très vite. Avant, c'était un peu douloureux, on faisait des grosses interventions. Maintenant, c'est à minima invasif. Donc, c'est beaucoup mieux. Mais qu'est-ce qui lui prend, là, au ligament annulaire, de dérégler tout ça, lui?
Bah, parce qu'il peut se durcir, se fibroser, et puis quand vous le simulez de manière répétée avec vous êtes coiffeur, avec il suce un peu, voilà. Oui, mais quand vous le répétez comme ça, le geste en permanence, le petit ligament, il peut s'abîmer comme tous les ligaments, William. Hein. Mais oui. Bah, oui, ma bonne dame. Et la bonne dame. Non, mais c'est une oui, j'ai compris, merci. Hein. De vieille Bernadette. Hein. Il m'a traité de Bernadette tout à l'heure. Donc, après, il y a d'autres pathologies, et ça, c'est important. Il y a, vous savez, la spasmophilie. C'est une maladie, c'est pas une maladie, c'est un symptôme qui arrive souvent, beaucoup plus fréquemment chez les femmes, souvent chez les femmes un peu stressées, un peu angoissées, et ça commence toujours pratiquement. D'abord, c'est une difficulté respiratoire. On cherche de l'air, on hyperventile, on respire vite. Et ça va toujours commencer par des petits picotements au niveau des doigts. Ah bon? Et, ouais. Des picotements au niveau des doigts, qui peuvent même aller jusqu'à des contractures des doigts. Hein. La spasmophilie, c'est quelque chose d'assez terrible, et c'est très mal vécu par la personne. Elle pense qu'elle va mourir, hein. C'est terrible. Mais c'est régulier ou c'est de temps en temps? Ça arrive chez les gens qui sont très angoissés, c'est un peu comme des crises de panique. Alors, il y a les circonstances, par exemple, si vous avez peur, vous êtes sur un bateau, que ça va très mal, vous avez peur de chavirer, vous pouvez faire une crise de panique, ou il y en a, c'est dans les ascenseurs, il y en a, c'est ailleurs, mais ça, c'est vraiment très lié à l'angoisse. J'ai entendu ça en disant, ah, il est spasmophile, oui, voilà. tout le monde avait peur. Alors, il y a un petit geste que je peux vous conseiller, vous me demandiez des conseils. Quand vous sentez les picotements, quand on en a déjà fait plusieurs, on sait que ça ne peut pas arriver. Ce que je vous conseille de faire, parce que c'est lié à une hyperventilation qui va dérégler un petit peu des phénomènes entre le gaz carbonique qui est éliminé et l'oxygène qui est pris, ce qu'on peut faire, c'est prendre un sac, le mettre sur la tête. Attention, pas les enfants, faites attention, n'écoutez surtout pas. Mais le mettre sur la tête, les spasmophiles le savent. Ou là. Ou on peut le mettre nez et bouche. Et comme ça, on respire moins d'oxygène, mais plus de gaz carbonique. Et ça rééquilibre le problème qui était lié à l'hypervention. Attention, un sac sur la tête. Non. Hein. Non, oui, la dame, elle a dit à la télé, mettez un sac sur la tête. Voilà, juste ça. Après, il y a des anxiolytiques pour traiter la spasmophilie. On peut vous donner tout un tas de choses. Après, il y a... Bon. Il y a d'autres maladies comme ça. Le syndrome de Raynaud, vous savez, c'est quand au froid, vous avez un trouble vasculaire. Donc c'est les doigts, fraise, ça peut arriver aux doigts, aux pieds, au nez, aux oreilles. Vous voyez donc en fait, et on ne le voit pas là, mais je vous assure que les gens qui en souffrent, ça leur fait terriblement mal. Ça, c'est un problème de circulation. Ouais, c'est un problème de circulation. Et surtout, quand ça revient, le sang, ça leur fait comme des brûlures. C'est horrible. Et donc, là, Puis ça, c'est permanent, alors. Pardon ? C'est permanent, alors, ça. Non, c'est au froid. Ah bon ? Il y en a même eu, après. Il y en a même eu sur, qui ont eu ça, mais sur la langue, en mangeant des glaces. Mais ça, tu ne peux pas traiter. Tu n'as pas un médicament. Si, il y a des traitements. Et puis après, il y a des maladies qui, ça peut être le symptôme de maladies beaucoup plus graves, comme la sclérose en plaques, comme éventuellement un accident vasculaire cérébral. Et là, évidemment, urgence, on consulte. En tout cas, toujours tout ça pour dire que quand c'est une fois de temps en temps à des endroits différents, il n'y a pas de souci. En revanche, si ça persiste, si ça s'aggrave, j'ai du mal à parler, si ça persiste ou si ça s'aggrave, là, on consulte. Très bien. Ça va, franchement C'est fou, ça. Moi, qu'elle soit vide. Hein. Oh, mais vous savez, on se connaît depuis longtemps, on travaille ensemble. C'est pas une raison.